Salut mes nostalgiques, c'est Jason V et je vais vous faire une petite vidéo du futur sur un super jeu qui était sur Dreamcast, Virtua Tennis. Donc pour ce faire, je vais parler à mon homologue du passé qui connaît très bien les jeux rétro. C'est Jason V du passé qui est dans votre futur à vous. Donc voilà, amusez-vous bien. Alors, pour se faire cette vidéo, je vais vous montrer le jeu. Je ne vais pas faire de l'arcade tout de suite, je vais vous montrer le World Circuit. Donc, on va commencer avec un new game, tout simplement. Ouais, je vous ai pas dit bonjour, il y a le grand-père qui vous a salué pour moi. Pour faire cette vidéo, je vais faire. J'ai invité un petit complice, donc Aroa21, certains connaissent déjà. Qui salut, est, salut. Voilà, qui est là. Qui tu veux qu'on se prenne comme un petit bonhomme? Oh, et qui tu veux? Allez, on va prendre Philippoussis, tout ça. Alors, pourquoi je vous montre ce mode? C'est parce qu'en fait, c'était assez sympa. Tu commençais en vieux tennisman, là. Tu étais classé ouais, c'est marqué là. 300e, là. Non, je crois que c'est marqué là. Non, c'est pas marqué. Ouais, c'est marqué là. Donc, on est là, rank 300, on a 1000. Et il faut faire des matchs et des entraînements. Donc, je vais vous montrer le début du mode, parce que ça sert à rien de s'attarder sur toute la carrière, ce sera vraiment de la répétition. Donc on va commencer par faire quelques matchs, là il y a du double, et les entraînements, comme je disais, des matchs en simple, tout ça. Donc pour vous montrer le jeu, allez, moi je vais commencer par un petit match single. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, je vais passer un petit peu la manette, je vais pas jouer tout seul, comme ça, il se fera un petit peu plaisir aussi. Vas-y. Voilà. Alors vraiment, ce jeu-là, en fait, quand tu jouais, tu avais certains personnages, il fallait connaître vraiment leur façon de jouer. Il y en a qui jouaient plus au filet, et c'était vraiment bien retranscrit pour les débuts de la console. Moi, j'aimais bien surtout jouer au filet, mais on va voir selon ce qu'il en est. Ouais, enfin les adversaires au début ils sont faciles à battre. Ouais ouais, c'est ce que je me rends compte, ça fait longtemps que j'ai pas pris de jeu là. Ouais, franchement c'est easy. Même moi j'ai été outré par la facilité à laquelle on battait l'ordinateur. Voilà, tu vois, t'as même pas besoin de bouger quoi. Ouais. Au final il te le renvoie sur toi, tu décroises quoi. Position change. Alors on pouvait jouer comme ça ou changer la vue et mettre une vue... Pour ceux qui n'aimaient pas jouer en haut ou en bas directement, et là ça devenait carrément plus difficile. Mais bon, je sais qu'on se tapait des bonnes barres. Et les graphismes quand même pour l'époque, on est dans les années 2000. C'est super beau quoi. Grave. Alors moi je reprends un peu le jeu comme si j'avais pas joué depuis des lustres. Ce qui est un peu la vérité. Je l'ai prêté à Aurora pour qu'il se refasse la main dessus parce que c'était tellement de bons souvenirs et il voulait changer un peu de ces consoles next-gen, donc voilà. Voilà pourquoi il en sait un petit peu plus que moi pour le moment. Les échanges étaient assez sympas. Et ouais, je suis vraiment épaté à quel point la Dreamcast... Ah là là. Regardez-moi ça. Eh, c'était 128 bits, hein. Ça faisait beaucoup de bits. Ah la honte. Ah, il va casser la raquette. Ah, et t'as mis 30 points dans les dents, quoi. Ah, mais je joue en vue d'intérieur, histoire de corser les choses. Ouais. Bon, allez, on va rechanger de caméra, et on va reprendre... Ah, la honte. Allez, je me concentre. Ah, merde, quel con. Ting, va là-bas, toi. Ah. Paf, pouf. Bon, pour ceux qui connaissent pas les règles du tennis, hein, t'as une balle, une raquette et tu fais des échanges quoi. C'est facile vu de ce sens. Ouais. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais bon. On va pas venir dans les détails pour le moment. Non, surtout qu'on n'est pas des pros du tennis. Hein. Exactement. C'est juste que c'est un bon jeu d'arcade. Ouais. Franchement, ça sur borne d'arcade, c'était excellent. C'est pour ceux qui ont connu la tête dans les nuages. Hein.
Ça, c'est un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Hein. Ah ouais. Ça, Il y a c'est. des jeunes dans l'histoire! Ouais. Ah, donc papy qui s'incruste un peu de temps en temps. Que je veux dire, oui, donc il y a eu Virtua Tennis 2 qui est sorti sur la même console. Ouais, il me semble. Voilà. Tiens, tu veux faire? Il y a un petit new là, c'est training. Ah Voilà. non, je déteste celui-là. Ah, c'est mettre la balle dans les pots. Donc il y a eu un Virtua Tennis 2 qui a été fait. Donc qui était une meilleure meilleur graphisme et un petit peu plus fluide. Mais ça restait vraiment un très bon jeu de toute Un manière. pur style arcade. Hop. Tu dois faire combien? J'ai pas fait gaffe. Ouais. Tu dois mettre dans tous les tonnets, tu dois remplir tous les tonnets de balles Ah ouais, d'accord. et dans le temps imparti, bien sûr. Hop. On va viser le 1 là-bas. Ah! Qu'est-ce qu'il me fait lui? Donc Je c'est sais géré avec que les. selon comment tu faisais, tu pouvais gagner la raquette tournesol. Alors, par contre, après, comment c'est. Ah, tu viens Vas-y, d'avoir. ouais, yes! Sur le film. Ah, oh, 4 secondes. Ok. Enfin, c'est quand même sur le film. Nous donc vous voyez je débloque Au fur et à le mode mesure, le tournoi l'histoire je veux dire ça se débloque au fur et à mesure. On a le shop, on va aller faire un petit tour au shop. Et donc au fur et à mesure où on jouait, il y a les niveaux aussi qui se débloquaient. oui, puis ça devenait de plus en plus corsé. Ouais, c'est clair. Donc là on achetait les personnages aussi pour le mode principal. Voilà, c'est les personnages, c'est tout en haut, c'est marqué Voilà, player. Tesla. Non, non, ça c'est les partenaires que tu utilisais, regarde, c'est marqué Ouais, en haut. on peut les prendre pour faire les matchs en double. Voilà. D'ailleurs, il nous faut Mais des en matchs haut, à t'as double. marqué player, tu vois, il a déjà été Ouais, acheté là, celui-là. bah, c'est le Bantu, là. Tu viens de l'acheter là? Ah non, ça doit être toi qui l'as acheté dans ta partie. Ah oui. New String? Ouais, alors ça On a tu. le droit? Non, mais ça tu t'en rendais compte au fur et à mesure que tu faisais des matchs que. Bah, tu faisais C'était des pour la coups raquette, ouais. bizarres. C'est pour la raquette, ça permettait de remonter la raquette. Donc voilà, les vêtements, tiens, je vais prendre une petite tenue, ceci. Oh non, on va me dire que j'ai des coups de chiottes après. Je la prends quand même. Hop, épuisé. Stage, celui-là. Ok, Et donc ça, t'avais c'est pour plusieurs nous. shops qui s'ouvraient aussi. Avec plusieurs partenaires, des nouveaux qui Ouais, des apparaissaient. nouveaux Un Voilà. nouveau type d'entraînement. Le mur. Alors, on a eu des Virtua Tennis sur les consoles Il me semble suivantes que c'était aussi. sorti sur PS2, il me semble. Ouais. Parce que bien sûr, PlayStation était passé de 32 à 128 bits. Hein. Ils n'avaient pas passé par la case 64. Étant donné que Dreamcast, de toute façon, était sorti. Hop. Puis, Alors. rappelle-toi, il y a eu la Xbox qui est sortie aussi peu de temps après. Ouais. Donc, PS2, enfin, Sony avait été obligé de sortir Ah! direct la 128, quoi. Puis bon, on a eu PlayStation, ils ont sorti à l'époque où Sega était sur leur Saturn, donc une console qui a fait un petit flop. Je vais pas l'avoir. Si, Oh. putain. Ah, pas de gros mots là. Bon bref, Pardon! il y a des jeunes qui écoutent Tut! quand même. Alors, le petit tut que vous entendez, c'est les cartes mémoire qui sont dans la manette. Donc là, j'ai fait niveau 1. Je peux faire l'entraînement niveau 2. Je vais pas le faire tout de suite. On va essayer un petit match en double. Pour cela, il va me falloir un partenaire. Que tu vas aller jeter dans Que le je vais shop. aller jeter dans le shop, exactement. Alors j'ai 16 000. Il me faut 20 000. Donc je ne peux pas pour l'instant Faut que faire tu de fasses match un en double. entraînement ou alors un simple. J'ai vu qu'il y avait un nouveau single qui est arrivé. Non, c'est un double. C'est celui-là que tu. Oui, Mais voilà, lui par contre c'est beaucoup plus hard. Tu niveau peux 2. essayer. On va le faire. Allez, je me concentre un peu plus. Tu veux le faire ou je fais? Non, vas-y, fais-le, t'es meilleur que moi, parce que moi j'arrive pas à jouer quand on est en haut. Ah, Kafelnikov! Eh, j'avais pas changé de vêtements. Bah tu l'as pas mise. Pas tenue. Hop, petit lob. Oh Yes. yes! Ça c'était joli ça. Moi Joli, j'arrive hein? pas. T'as vu, c'est en 4 jeux hein, par contre. Ouais, je vois ça. Et par contre, évite de lui mettre Ah! sur son revers. Kafelnikov sur le revers. Ouais, parce qu'il a un revers puissant. Ouf. Oh la vache! Tu vois, Ah là c'est. là 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 là. Ah, c'est niveau 2. Hein. C'est que niveau 2. Bref. Oh, les échanges de furieux. Non, t'aurais pas dû. Là 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 là. En plus, vu qu'on a un petit peu baissé le son pour la vidéo,
on n'entend pas la différence des coups. Parce que vraiment, quand il faisait un coup droit, t'entendais un ploum. Et un son de cloche quand il faisait un lob. Ça change rien. Ouais, mais ça permettait d'entendre le coup venir, quoi. Ouais, mais il te fait pas de lob depuis tout à Aïe, aïe, l'heure. aïe, aïe. Ah, lui, par contre, quand il sert, t'as vu, c'est max, hein. Ouais. Mais saute pas à tous les Ah. coups! En même temps, level 2, je crois que ton bonhomme, il a pas le niveau. Il a pas le level. Ouais, et donc là il y a vraiment tout l'intérêt du shop, recovery et. Ah zut! New Et les string. cordes, new string. D'où l'intérêt de vraiment les prendre parce que ça permettait d'augmenter les capacités. Ah là là, la brêle. On gagne quand même des thunes quand on perd un match? Ouais. Oh là 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 là. Mais remets-la! Bon bah je suis désolé, je vous fais une petite présentation sur un match difficile comme ça. Justement, c'est bien. Au moins, ils voient Et je que. le perds quoi. Ouais, les gens, tout le monde voit. T'as plein honte, c'est tout. Et puis ceux qui voient les vidéos, c'est bien. Et ceux qui s'abonnent, c'est mieux. Hein. Hop, j'ai un point! J'ai un point! Et ceux qui dislike ta vidéo? C'est pas bien. Hop. Un petit technique de tricheur. Mais bon. Si ça marque, hein, c'est pas une technique de tricheur. Oh non! Bon, il a. Ah merde, je l'ai décroisé sur lui, je suis con. Bon. Position change. Vais-je perdre maintenant ou vais-je réussir à lui prendre un match, un jeu? Oh putain. On va essayer avec la caméra comme ça. Le fou. Ça dépend si tu joues en fond, c'est pas, ça dérange pas. Enfin, Tac. vous voyez, je pensais que ça allait te lever. Assez compliqué hein, de faire les coups au max. Voilà. Non, pourquoi je le remets sur lui comme ça? À chaque fois, je suis à contre-pied, je lui mets quoi. Je lui offre de quoi me la mettre bien profond quoi. Bim. Je vais lui prendre un, je vais lui prendre un. Parle pas trop vite. Non! Ah, oh, il a loupé de plus en plus. C'est fait. Non, saute pas comme ça. Eh non, il avait déjà l'avantage. J'ai même pas fait attention à ça. Tu vois, tu Donc, je gagnes quand même 5000 vais. dollars. Eh, 5000, j'ai de quoi me prendre un équipier. Ce sera pas le meilleur, mais ça va pouvoir me permettre déjà. Bon, Tesla, on y va. C'est parti. Je peux pas. Comment je fais pour m'en équiper de ça? Ah, c'est peut-être pour le principal, non? Ouais, c'est là. Ah voilà, tenue change. Hop. Voilà. Et donc on va faire un petit match en double. Ouais. Alors là, j'ai débloqué que deux entraînements. Il y a plein de types d'entraînements différents. Il y avait Bah les ouais, grosses babas. je pense que il y aura moyen de montrer tout ça. C'est assez rapide à débloquer. Ouais. Ouais. Voilà. Là, à deux avec l'ordinateur, c'est pas évident. C'est plus simple de jouer à deux avec un coéquipier, avec deux humains, parce qu'au moins tu peux te donner une stratégie. Là, voilà, il vient, il me pique mes balles, il n'y a rien à foutre, quoi. Dégage, quoi. Bim. Ça prend là. Ah, j'ai cru qu'il n'allait pas la tirer. Et tu vois, là où c'est marqué normal, en haut à gauche, tu peux changer avec les gâchettes. Ah Baseline, c'est ouais, fond et mid play, ouais. c'est. Bah lui, il va jouer derrière, tiens. Ouais, Ah, tu me rappelles des trucs. On voit que l'argent est pompant, toi. ouais. Je m'en vais. J'aimais bien faire ça, tu te rappelles aussi à l'époque. Ouais. Vas-y, démerde-toi.
J'aurais été bien dégoûté qu'il se fasse prendre le point direct. Là, je vais faire un petit lob au retour de service, ça veut dire. Hop là. Bim. Ouais, t'as envoyé ton lob. Ouais, il a voulu me le faire. Tu ne la fais pas comme ça, moi, surtout pas en facile. Par contre, Sing, c'était peut-être un des meilleurs personnages en double. Ouais, c'est vrai qu'on adorait jouer avec lui. Puis c'est vrai que là, il joue. Ah! Vas-y. Je joue n'importe comment. Voilà. Ouais, je joue un peu n'importe comment. Mais Sing joue en arrière, alors que quand on le prenait avec nous, on le mettait souvent au filet. Et il est hyper ouais, balèze ouais, au filet. Ouais, au filet, ouais, ça faisait papapapapam. New! Un petit entraînement avec des cubes. Le but, c'est de toucher tous les cubes de l'autre côté. On a le petit entraîneur qui nous balance la balle. Et on a un coup pour renvoyer et toucher le maximum de cubes. C'est gars. Donc là, c'est vraiment l'entraînement à gérer le renvoi, les directions comme ça. Pas trop à gauche, plutôt tirer de face. Là, je te fais un tir de face. Allez, il est allé à gauche par rapport à la balle. On va tirer vers le bas. Hop. Bim. Eh, ouais, j'ai fait dormir. Hop. Ok, génial. Il me reste 4 balles pour toucher le Sega. Je ne vais pas l'avoir. Hop. Tac. Cleared. Non, parce que Sega quand même à l'époque hein, c'était plus fort que toi. Bah oui. Donc on a de nouveau un match en double qui s'est débloqué. Un nouveau match en single. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour débloquer un petit peu? On va refaire du single hein, parce que c'est quand même plus intéressant. Trial Shot Volley. Ventura. Bah du coup, premier personnage qui a été débloqué par... par mon acolyte. Voilà. C'est pour le Tavantou là. Ah merde, j'aurais dû laisser un petit peu la tête pour qu'on voit vraiment la qualité d'image. Hop. Bon, les manettes qui grincent, c'est parce que je joue avec la croix sur la manette. Donc ça couine un peu, je sais pas si vous l'entendez. Mais ces jeux-là, je supportais pas à l'époque de jouer avec le joystick. Parce que je vais vous montrer un peu après la manette de Dreamcast, si pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous verrez, c'est assez impressionnant. Parce qu'il faut se rappeler qu'on était quand même sur l'équivalent PlayStation. Et la forme rappelle un petit peu quand même les premières manettes Xbox. En fait, ils ont tout copié. Hop. Tu t'endors mon bro. Je raconte de la merde, c'est ça? Non. Ah d'accord, ok. Pas obligé de dire en plus je m'endors. Hein. Non mais je t'entends bailler derrière. Tu couperas ça au montage, s'il te plaît. Ah non, pas de montage. Bon, après ça d'une traite hein. Hop. Game flip aussi. Petit amorti, hop. Et bim. C'est pas la balle de match, mais j'ai le coup de le préciser. Ah, il m'a niqué. Quand t'as cette mauvaise habitude de monter au filet, tiens. Ouais. On va faire le break, le salaud. Oh non, il... Ah la honte. Ah là j'ai honte là. Ton 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 ton. Tiens, prends ça. Hop. Vas-y. Si je me sauve. Oh, je reviens.
mais ça dépasse l'entendement. Ah! Ah, je me suis fait niquer, mais tiens, je me sauve. Lui, ce bonhomme Ventura, j'aime pas sa tête. Mais la tête qu'il a dans le jeu, quoi. On a l'impression que c'est une capture d'écran de l'image du jeu. Sa photo de profil, en fait. Yeah, 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 yeah! À la Batista, quoi. C'était tellement moche, en vrai. Non, tu peux pas dire ça. Bien. Nouvel entraînement. C'est que je voulais vous montrer avec les petites babales à faire partir du ring, du terrain, du ring. Restez sur le catch. En fait, je crois qu'il valait mieux rester derrière et faire des coups bien puissants, quoi. Allez, allez, redescends pas trop près. Allez. Allez. Pourquoi tu me les envoies là? Bon. On va retenter. Hop. Tac, dégage celle de derrière d'abord. On dégage la première. Tac. C'est plus facile une fois qu'on le refait en fait. Tout easy en fait. Tu te demandes comment j'ai perdu. Bon. Qu'a-t-on de plus? Donc level up. Possibilité de faire le double en niveau 2. On a un nouveau match en double qui sera hop et un nouveau match ici. Tu vois, en quelques matchs, c'est passé de 300e à 237. Ça monte relativement vite. Hein. Ouais, assez. Hein. Donc voilà. Après, c'est assez répétitif après dans l'ensemble. Quoi. Ouais, c'est ça. Quoi. C'était surtout les jeux qui étaient marrants. On va refaire un match en double histoire de. Je vais changer de personnage, d'équipier. Et puis je vais faire un nouveau match en double. Comme ça, ça débloquera en plus un peu de contenu pour la suite de nos parties. On va racheter ça, histoire d'être au maximum. Hop, hop, hop. Je sais plus s'il faut les épuiser. Les utiliser dans le menu, ce truc-là. J'en ai aucune idée. On va voir. Je vais voir. Tac, 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 tac. Bah non, je peux juste... Monnaie, caractère de quest, tennis, rentre. Je vais jouer en jaune. Non, je reste en comme ça. Maintenant, on va faire un nouveau match. Là, ce sera terre battue, peut-être. Ouais. Et puis, ensuite, je sais plus, on avait un autre entraînement à débloquer. L'équipe, peut-être. Ah bah, je vais passer la manette à... Non, tu veux pas jouer? Oh là là. Déjà, c'est pas bien. Il y avait un autre entraînement, c'était les quilles, faire un peu de strike là. Mais celui-là, tu le débloques en dernier. Ouais, il est long ou tu l'as débloqué hier? Non, ça sert rapide. Ou je sais pas quand. Ouais, ça sert rapide. On va essayer de jouer jusque-là. Altman, quoi, le mec. Je connais pas. Mais réagis, putain! Voilà. Bah, l'autre, il est parti faire la corrida aussi. Là, franchement, c'est graphisme. Ah non, en se remettant dans le contexte. Je vais vous faire un petit rapprochement avec les plus beaux jeux de la PlayStation 1 à l'époque. Et vous allez pouvoir comparer à quel point la Dreamcast était magnifique, tout simplement. Je vais vous rechoper une petite image là. Je lui pose, c'est tout serve. J'aime bien, c'est que tu avais le. Quand tu jouais sur les terrains français, ils parlaient vraiment en français. Ouais. En même temps, au service, pas... Philippe ou 6. Ils n'avaient pas grand chose à dire en même temps en français. Hein. Ouais, mais bon, c'était sympa quoi. Beaucoup de jeux d'époque se contentaient d'avoir une version oui. Anglaise et point barre quoi. Comment je lui ai volé la balle. Tire. Bim. Pfff.
Alors là, en double, c'est risqué de faire cette caméra parce qu'on voit vraiment absolument rien. Il a été outré, le petit roux, là. Oh bah. Vas-y. Toujours avoir un roux de secours chez vous, hein, les gars. Bien. Qu'est-ce qu'on a débloqué de nouveau? Donc, on a toujours le En double bas. ici et en bas, c'est Ah, c'est ma fille, il faut à éteindre ça. renvoyer les balles. Mais par Mais il contre, faut avec les pas te balles faire frapper jaunes, par là, les ça bombes. mange. Ok. Quand tu te chopes une balle rouge, la Ça machine arrête. se rallume. Voilà, ça arrive, la Waouh! dernière machine que t'as éteinte. Donc, faut gérer plusieurs données à la fois ici. Des fois, Allez. faut se dire non, celle-là, je l'ajoute pas, celle-là. Ting! Voilà. Allez, ça Ah, c'est c'est. propre. Emballé, c'est pesé. C'est clear. Ah, mais ça devient plus compliqué dans les niveaux supérieurs. Bah, level up. Bah, On fait un test en level up si direct. tu veux. Allez, vas-y. Je suis resté un peu sur ma fin. Donc, le temps baisse, la difficulté augmente. C'est parti. Ah, ouais, d'accord, ils me font des vieux tirs en plus. Non, c'est pas qu'ils te font des vieux tirs, c'est que. Waouh! Regarde, hop. Il meurt. Waouh! Voilà. Ah! Oui, Salope! Je t'avais pas vu venir, toi. Ouh. C'était risqué, là. Ouais. Un Ouais, peu t'es toute d'os. seule, toi. Mais lance-la sur moi! Comment t'es mauvais? Ah! Ah! Je suis dégoûté. Donc voilà, hein. J'ai failli le réussir. On t'a failed. J'ai failli, mais j'ai failli. Donc toujours uniquement du double. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben rien d'autre. Hein. Hop, bon, on va faire un petit double à nouveau. On va partir. French Cup. Ben voilà, on va pouvoir avoir les voix françaises. On va avoir les voix françaises. Inoue, ah j'aimais bien aussi ce joueur. Au service Philippe Poussis. Toi, tu vas aller, non, tu vas aller derrière toi. Un C'est lob. moi qui reste là. Ah. Ah, honte. Ah, c'est encore le roux. Ah, tu l'as mis au fond parce que les roues coulent. La blague Pokémon de merde, quoi. J'étais pas obligé de le préciser, mais. Non, surtout c'était pas une blague Pokémon. Bah, si, il est roux cool, quoi. Bah non, c'est les pigeons qui roucoulent. Quel carnage, quoi. Franchement, j'ai gagné. Ah ouais, d'accord. Je gagne le premier jeu. Ouais, t'as pas gagné, t'as gagné le Ah jeu. oui, si je monte pas, personne ne monte, bien sûr. Maintenant, tu l'as mis en baseline. Je suis con. Ouais, c'était Hey, mais Sync. qu'est-ce que tu fous, toi? C'était Sync qui faisait un carnage. Mais. Bah, c'est normal, tu vas de son côté. Mais oui, normal, il bronze rien, lui. C'était Sync qui faisait un Bim! carnage au filet. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure. Mais il faisait vraiment un carnage, hein. Ça faisait bam 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 des Tiens, échanges de regarde. ouf. Mais démerde-toi. Oh bah, d'accord, ouais. Non, mais si ça vient de ton côté, il jouera pas, hein, ce qui est un peu logique, tu verras. Bah, il a qu'à apprendre un jeu aussi, lui. Tiens, regarde. Je vais pas tout faire tout seul. Balle de match. Mais là, omis. Ouais, t'as de la chance. Tu sais ce que ça fait un roux qui fait Vas-y, retrouve ta blague. Au Non, 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 sort c'était juste pour faire un. Mais c'est. Non, non, mais non, mais non, elle est nulle à chier. Ok, d'accord. On va oublier alors. Bah non, c'était. Tu sais ce Nouvel que ça fait entraînement! un roux qui fait une faute au tennis, ça fait un roulette. Tellement que je me marre, quoi. Donc j'ai gagné 100 places. On va passer au nouvel entraînement. Ah, les Faites quilles. tomber des quilles comme au bowling. Alors ça, j'ai pas réussi. Hein. Donc là, c'était un entraînement au service. Bim! On Le est mec, on a d'accord, l'impression qu'il a servi toute sa vie, quoi. Oh. ouais. Niqué ton strike.
Ouais, mais je vais faire un spear. Ah merde. Pardon. Ah, parce que ça compte en plus. Bon, c'est pas grave. On va faire 60. Là, pour bien faire, faut vraiment gérer le. Selon au moment où on va tirer, on commence seulement à appuyer sur une direction. Parce que si vous appuyez dès le début, elle part vraiment plus loin, quoi, la balle. Ne pas hésiter à enchaîner gauche et flèche du haut. Oh, 2 points, hey. Je passe les choses de justesse aujourd'hui, hein. Level up pour ceci, level up pour le match, level up pour plein de choses, new, double. Donc voilà. Pour l'instant, bah, je crois que j'ai fait le tour en fait. J'ai fait le tour des petites choses sympas dans le premier. Et donc il y aurait le deuxième à vous montrer si ça vous intéresse. N'oubliez pas de le préciser en commentaire. Likez mes vidéos, parce que ça c'est bien. Et si vous likez pas, bah ça c'est mal. Abonnez-vous, il y a plein de choses hein, à regarder sur ma chaîne. Hein. Il y a du rétro, il y a de la petite console de merde qui va arriver là, parce que j'ai ressorti du vraiment vraiment gros quoi. Et je suis sûr que vous allez vous marrer rien qu'à voir les vieux graphismes. Donc voilà. Moi je vous souhaite de regarder plein de choses intéressantes et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de passer voir la chaîne à mon bro, parce qu'elle est bien, mais la mienne elle est mieux. Donc voilà. Et puis ciao ciao et n'oublie pas de vous abonner.